Sì, guarda. Ok, brother, see you later. See you. Tu enlèves ton uniforme américain et tu mets ça. Ceinturon, chaussures, tu vas te changer là-bas. Au suivant. Tu vas te changer là-bas. Un ceinturon, une paire de chaussures. Une paire de chaussures, un ceinturon et tu vas te changer là-bas. Au suivant. Vous enlevez votre uniforme américain et vous mettez ça. Et vous prenez votre képi, chef. Mais c'est un képi d'homme de troupe, ça. Ça va, c'est assez bon pour vous. Mais je suis sous-officier, moi. Prenez ça, je vous dis. Bon, vous prenez une paire de chaussures, un ceinturon, et vous allez vous changer, là-bas, chef. Ouais. Estimez-vous qu'on vous donne pas une chéchia. Au suivant. Vous enlevez votre uniforme américain et vous mettez ça. Au suivant. Ceinture, chaussures, là-bas. Je ne pensais pas qu'ils allaient t'accepter si vite, mon capitaine. Ah, je les connais. J'ai fait le Niger, le Dahomey, le Congo. Alors, 10 ans de colonial, ça compte. Regardez-les, ce sont de grands enfants. Tu enlèves ton uniforme américain. Ah, au fait, la consigne élevée. Quartier libre pour tous et demain, nous procéderons à l'échange des billets. Bien, mon capitaine. Au suivant. Ceinture, chaussures. Suivant. Ceinturon, chaussures, tu vas te changer là-bas. Suivant. Chaussures, ceinture, là-bas. Suivant. Tu enlèves ton uniforme américain et tu mets ça. Prends une paire de chaussures, un ceinturon et tu vas te changer là-bas. Au suivant. Une paire de chaussures, un ceinturon, tu vas te changer là-bas. Américain. Armée américaine a donné nos tenues. Oui, armée américaine a donné nos tenues, oui. Et puis armée française a pris nous. Et alors, blanc américain, blanc français, blanc blanc, c'est kiff kiff, même sauce bourricot.
nous pas américains. Nous pas français. Nous africains. Nous hommes. Nous connaissons qu'est-ce qu'il y a la guerre. Nous vivons. Nous couchons dormis avec mort. Nous mangeons même viande mort. Pourquoi tristement là? Hein? Pourquoi vous assis là hontement comme ça pour honter l'homme? Hein? Toi, pas volé? Toi, pas faire caca dans la maison de papa, ton femme? Alors, pourquoi vous hontez? Pourquoi vous hontez? Mais pourquoi hontement comme ça? Katna, vous faites guerre, Europe. Vous souffrez froid, Europe. Vous souffrez neige, Europe. Vous connaissez faim, Europe. Vous connaissez bombardement, Europe. Maintenant, vous revenez maison Afrique. Vous assis là, comme femme. Pleurez, pleurez, pleurez. Pour tenir américain. C'est honte. Vous honte. Vous honte. Vous honte. Mais pourquoi? Hé, hey, moi parti village. Qu'est-ce qu'il y a bien avec moi? Gabon. Présent. Sarah. Fraîche. Côte d'Ivoire. Viens là. Niger. Farsa. Là-bas, il y a femme. Nous, allez. Casser coco. Pass auf, heraußen! Yo. Yo. Makani di kanyana. Kanyana kni buko buko. Pia pia. Na kana kuna kde. Yo. Mhm. E porta la aseki kodi anyoni.
mo kameno asay kom ko ragnolo yo finki ne suko lal e fok bobu kut bebu kuti e e manay je jak finki mamak amte kamay rambe rambe mi te rambe no rambe fan fan afu ga nyami ya ko di ampoy kurambe no rambe ni pa pani jo nano sam ko kateno ni rere pani jo bio be fok yo nya se ki ko danyoli panu kanibu Ase kom ndi e foki jo japani babo kulen para pani na nyule jao be France pani ifabel kakaranga kumba panu jao France beri base ki bobo mara se kom ne mangen ka sankeni yak ne mangen mambura mbenom kafe jatit wari ngesi kilo futok hani besoni ungen yo ne mambi bonyo kafe angur sikores pani jo ni sukai ah yo e pibo ju mani kani se no seno So c'est ce que il peut il peut lui dire c'est non. Yo. Afuganyami ya di inje. Nu ngesi ngesa sek. Hamme bintum anyolom. Honu ngesi mi beseni uyap. Ah yo. Eh. Pare anu man ni yaap. Pan inja katolik. E fo ku katolika koku bo ku katolika koku bo ku je jaw jangay ban ko yabano sana sek ak ku goba wala ku feji yo mati kafe ya bani je no mule iseni yo ampo ha ni mama mbusa nom kunyela Et chocolat, 10 sucre, 10 millions. Yo. Pani je tumi sena seki bintu. Nyanje bobot, katora. Katora. Yo. Katora. Katora. Safran africain. V5 africain. Ça c'est 5 africain. Bismillah. Ñolen ci julli gi waxtu yi jonna. Ñolen ci julli gi waxtu yi jonna. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Awande Diallo Awni Diomulo Aloïse.
Ça va mieux, votre bras? Oui, merci, ça va. Je vous ai ramené votre livre. La Brousse l'a lu également. J'aimerais savoir ce qu'il en pense. Moi aussi. À propos, j'ai appris votre prochain départ pour la France avec les nouvelles recrues. Vous pourriez m'emporter du café pour ma femme? Juste une petite quantité. Environ 5 à 10 kilos, ça vous gêne? Absolument pas. Même si vous avez d'autres choses à lui faire apporter, c'est tout à fait volontiers. Ça va, la petite cousine? Oui, ça va. Pourquoi ils vous ont fait ça? Quoi ça? Votre costume de tirailleur, alors que vous allez être démobilisé d'ici quelques jours? Parce que nous ne sommes pas des citoyens français. Nous sommes des sujets français. Et pourquoi vous n'avez pas pris la nationalité française? Vous êtes instruit, non? La nationalité française? Non, merci. Je reste africain et je garde mon instruction. Vous avez toujours l'intention de poursuivre vos études en France? Oui. Dès ma libération, j'irai à Efok, mon village, visiter les ruines. Je comptais justement vous y inviter. Hélas. Les ruines de votre village? Vous n'êtes pas au courant? Non. Les soldats se sont rendus à Efok, mon village, pour réquisitionner le riz. Les femmes s'y sont opposées et notre vaillante armée de planqués à l'arrière a tiré sur une population sans défense. Efok a été rasé. Mon père et ma mère s'y trouvaient. C'est horrible. Ça s'est passé quand? Il y a 2 ans. Toutes mes condoléances, Aloïse. Vous avez nommé votre fille du nom de votre mère, Bissom, c'est cela? Oui. 1942, c'était encore les vichistes. Les temps changent, les mentalités également. Vous avez suivi la conférence de Brazzaville? Il me sera difficile d'oublier. Voyez-vous, je fais un parallèle entre Efok et Oradour-sur-Glane. Ah, vous ne pouvez pas faire une telle comparaison. On ne peut pas comparer la barbarie nazie aux exactions de l'armée française. Non, c'est pas possible. C'est l'armée coloniale. Même mentalité. Les officiers qui en 40 ont refusé le ralliement des forces de l'AOF aux forces françaises libres et qui ont fusillé des Sénégalais ralliés à ces forces sont les mêmes officiers qui sont à présent aux côtés du chef de la France libre et contrôlent les colonies. Ne vous emportez pas. Vous connaissez bien le peuple de France. Vous savez que ça n'est pas pareil. Bien. Ben, je vais vous laisser à votre méditation. Vous n'oubliez pas le café pour votre femme? Je viendrai vous l'apporter, ok? J'aperçois Bindoum là. Vous voulez que je la ramène sur Dakar? Oui, merci. Kodjo! Garpo! Harmonica Asumana! Kofi! Présent! Soudan! Présent! Géa! Mamadou Diouf. Présent. Camara. Présent. Sissoko. Présent. Sembène. Présent. Das nicht die Soldaten gesehen! Mensch! Du kannst nicht so langsam fahren! Scheiße, Mensch! Steine! Wo hast du?
Le taux, c'est 1000 francs métropolitains pour 250 francs CFA. Odon, il allait. Mais mon commandant, le taux normal, c'est 1000 francs métropolitains pour 500 francs CFA. Ah. Ah. J'ai ordre de payer 1000 francs métropolitains pour 250 francs CFA. C'est beaucoup d'argent pour vous. Qui nous dit que tout cet argent n'a pas été volé sur les champs de bataille en dépouillant les morts? Tout le monde a entendu, ma commandant. Il est dit nous voler à 100 soldats mourir sans de bataille. Que Allah Akbar, Dieu voit tout le monde. Pays dit, si commandant coupe notre l'argent, nous aussi, nous couper son bangala. Mais mon commandant, vous osez insinuer de telles inepties? Pouvez-vous nous prouver l'origine de cet argent? Iko, mon commandant, vous insultez des soldats qui ont été de toutes les batailles. Ils étaient de la première armée de la France libre. Oui. Qui partit de Fort Lamy à traverser le Tibesti à chasser les soldats de Mussolini à Koufra dans le sud libyen. Hadé. Ce sont eux qui les premiers sont entrés à Tripoli. Ce sont encore eux qui les premiers en août 44 sont entrés à Paris. Je n'ai pas fini, mon commandant. Où étiez-vous en 1940? Oui, où étiez-vous, vous, là, en 1939-40? Des plans qui? Ces tirailleurs sont de la 7e armée française. Ali. À Abbeville, soldats français, anglais, hollandais, belges, luxembourgeois, devant la 2e Panzer Division du général allemand Guderian, nous avons fui jusqu'à Dunkerque. Guinao. Savez-vous qu'on a refusé à ces hommes de prendre le bateau pour gagner l'Angleterre? C'est vrai, ça. Connaissez-vous le capitaine Chorere de la 53e infanterie coloniale? Un capitaine nègre. Son dernier acte d'officier français, mais nègre. Au camp de concentration de Buchenwald, les Allemands avaient rassemblé tous les prisonniers, officiers et hommes de troupe. Les officiers blancs de côté. Les hommes de troupe blancs de côté. Et tous les nègres de l'autre. Le capitaine Chorere, noir comme du charbon, a traversé tout le champ et est venu rejoindre les officiers blancs, car c'était un officier. L'officier allemand responsable du camp lui intima l'ordre de se désolidariser des officiers blancs. Le capitaine Chorere refusa. Séance tenante, il fut fusillé devant les officiers blancs. Et aucun, oui, aucun de ces officiers n'eut le courage de protester, ni même celui de murmurer. Ce sont quelques tirailleurs qui, au risque de leur vie, ont enterré le capitaine Chorere dans l'anonymat et sans drapeau. Caporal chef Diara. Namu. Appelez-moi pays. En voici un qui n'a plus toute sa raison. Croyez-vous que celui-là aussi a volé son argent? Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, aux pécules, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Nous les croyons. Devons-nous penser qu'il y a deux Frances? La métropole et la coloniale. Ici, vous osez nous accuser d'être des dépouilleurs de cadavres. Connaissez-vous les détrousseurs de cadavres? Nous, tirailleurs, nous avons vu ceux qui ouvraient la bouche des cadavres pour leur arracher les dents en or et en argent. Ceux qui mutilèrent les doigts des cadavres pour leur prendre les bagues et les alliances. Voulez-vous que je vous parle des collaborateurs français de la Gestapo? Très bien, sergent-chef. Vous nous avez donné une belle leçon d'histoire. Monsieur l'intellectuel. Caporal de garde. Présent, mon capitaine. Sortez-le de là! Garde présent! Oh,
foutez tous le camp. Si vous refusez, je tirerai dans le tas. Avec vos billets métropolitains, vous irez tapisser vos cases. Le taux normal, c'est 1000 francs français pour 500 francs CFA. Alors nous devons nous consulter pour savoir si nous acceptons ou si nous refusons. Sakem parti sambré. Discutaillement bien bon. 1000 francs francis pour 500 francs Afrique. 1000 francs francis pour 250 francs Afrique. Jamais. Il y a volé de nous. Bien. Pourquoi nous accepter 1000 francs francis pour 250 francs Afrique? Eh, Capola, nous tous africains, nous comprenons bien vos blancs, il est commandé partout en Afrique. Nous n'a qu'à accepter 250 Afrique pour 1000 francs francis. Moi, j'ai parlé mon bouche-parole. Si tu veux, il y a fort comme toi la main. Si nous tous, il y a fort comme un. Tu vas vous payer. Lui accepter payer. Lui paie. L'officier y a parlé tout de suite. Lui n'a pas parlé prime. Lui n'a pas parlé indemnité. Lui n'a pas parlé démobilisé. Tout ça y a volé nous. Pas volé combattant. C'est fasciste. Nous pas accepter. Eh, nous nommer ça sans ça. Délégué. Parlez général. Hey. Wallahi. Général pas connaît. Chose passée ici. Non, 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 non. Nous pas nommer ces gens chefs délégués. C'est Tibabou qui nommait lui chef. Nous, Afrique. Chaque chambre nommé délégué. Eh, hey, sergent chef. Pas n'importe qui. Lui connaissent parler bon français comme blanc. Est-ce que vous connaissez français pour déléguer par les blancs? Tu con? Hein? Oui, tu con quatre fois. Francis, c'est quoi? C'est des langues. Tu parlais bon français. Tu parlais mauvais français. Ça que tu parlais dedans, c'est ça qui est bon. Hein? Francis, c'est comme femme. Tu prends femme, tu fais. Tu fais. Tu fais. Mais c'est pour faire des petits enfants seulement. Et puis c'est tout. Nous pas nommer ces gens chefs délégués. Sacre Sambré, nommez immédiatement délégation ancienne. Délégation ancienne. Ensemble les partis voir ça sans chef. Oui. Nous Sambré, proposer Marabout Tirailleur. Oui. 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 Moi d'accord. Moi aussi. Bismillah. Voilà. Poursuivez, commandant. Il faut changer les coupures des billets métropolitains. Il faut leur payer le pécule, les indemnités, les primes de démobilisation. À l'heure actuelle, l'état des finances ne permet pas de payer le tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent au fond de leur case? Non, mon général, moi je suis de l'avis du commandant. Nous devons le leur changer à la moitié de sa valeur habituelle. Oui, évidemment, le capitaine Raymond n'est pas de cet avis. Seulement, capitaine, vous ne connaissez pas les indigènes. Et vous ne connaissez pas les colonies. Il ne s'agit pas de connaître les colonies ou les indigènes, comme vous dites. Il s'agit purement et simplement de respecter nos engagements. Les combattants, français, blancs, eux, ont été payés. Et pourquoi ce contentieux n'a-t-il pas été réglé en métropole? Vous les avez baladés d'une garnison à l'autre avec des promesses fallacieuses. Nous, ici, en Afrique, nous n'y pouvons rien. À Morlaix, une avance leur a été donnée.
avec la promesse absolue qu'ils seraient intégralement payés dès leur arrivée à Dakar. D'ailleurs, mon général, je vous ai fait une note dans ce sens. Oui, c'est exact. Mais chaque guerre engendre une période d'austérité. Vous n'allez pas me dire que c'est en escroquant un millier d'indigènes que la France pourra se reconstruire, non? Escroquer. Nous nous sommes montrés très généreux. Il ne s'agit pas de générosité, capitaine, mais de justice. La France est généreuse avec ses indigènes. Nous les avons sortis de la barbarie. La barbarie, je ne sais pas si elle est chez eux ou chez nous, avec le cortège d'atrocités que nous avons vécu depuis 5 ans. C'est une version des faits. Quant à moi, j'ai la certitude que ces gens qui sont d'un naturel primitif ont été manipulés, voire achetés par les nazis ou par les bolcheviks pour déstabiliser l'Empire. D'ailleurs, comment auraient-ils pu revenir des camps? Et comment on peut dire, penser des choses pareilles, capitaine Labrousse? Pour Hitler, les juifs, les communistes, les francs-maçons, les tziganes, les noirs, tout ça c'est à éliminer. Quant à nous, nous sommes allés chercher ces indigènes dans leur village pour leur faire faire la guerre. À votre place, messieurs. Les petits noirs du Tipiabombanania, messieurs, c'est terminé. Ils ont vécu cette période où ils ont regardé les affrontements entre les Blancs pendant ces 5 dernières années. Mais revenons à nos affaires. Aujourd'hui, nous devons simplement reconnaître la justesse de leurs revendications. Capitaine Raymond, si nous prenions la décision de leur payer la moitié de ce qui était prévu, est-ce que vous, officier, vous cautionnez pour autant cette attitude de désobéissance dans l'armée? Pour moi, mon général, un officier qui ne tient pas sa parole est indigne de porter l'uniforme de l'armée française. Très bien. J'attends des nouvelles de Paris. Demain, j'irai visiter le camp de Thiaroy. Vous pouvez disposer, messieurs. Capitaine Labrousse. Bon, général. Restez un moment avec moi. Occuper Berlin avant les Alliés, et on sait pourquoi. Je n'aime pas les communistes, même français. Ce sont des communistes comme qui, vous savez, qui ont endoctriné nos tirailleurs. Tirailleur Bakary, cette commande, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Ça arrive, ma commandant. Il faut séparer le bon grain de livret. Ils font courir de gros risques à l'Empire. Il ne restera pas longtemps à la coloniale, il repart en France avec les Bleus. Ce n'est pas un militaire de carrière. Je n'aime pas ces cocos-là. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous anime, se sont envolées. Pourquoi ? Le nom d'amour te reste.
De la musique classique. Tiens, regarde-moi ça. Sa femme, sa fille. Il est marié à une Française. Regardez sa lecture. Aragon. Vercors. Aragon. C'est un communiste. Ah, bien sûr que c'est un communiste. Tous les intellectuels sont des communistes. Heureusement, celui-là fera pas carrière dans l'armée. Venez voir. Ils ont dû dépouiller les cadavres. Mais ils devront justifier de tout cet argent. Les Allemands leur ont remis cet argent pour déstabiliser l'Empire. Chef, regardez. C'est de l'arabe? Je ne sais pas. Mais ils devront justifier l'origine de cet argent. Et puis ça fait trop d'argent pour un bougnoule. Je le signerai dans mon rapport. Mais où ont-ils pu cacher les armes? Regardez, un casque Bosch. On ne peut pas leur laisser ça. Embarque-moi ça. Eh bien, messieurs, sortez maintenant, je vous attends. Le général va arriver d'un instant à l'autre. Vous voulez nous tuer pour un casque allemand? Mais c'est un fou, ne faites pas attention. Allez, venez, suivez-moi. Aller chercher de l'essence au camp américain Barney avec la Jeep. Monsieur capitaine. Repos. Vous savez que l'armée, c'est la discipline. L'obéissance à ses supérieurs. De plus, les Américains sont nos alliés. Et vous n'avez pas à faire la loi ici. En raison de votre passé et de vos bons et loyaux services rendus à la France, je ne prendrai pas de sanctions. Et vous allez rentrer dans vos villages respectifs. Ceux du Niger, du Soudan et de la Côte d'Ivoire rentreront les premiers, acheminés par le train jusqu'à Bamako. Les autres seront partagés en deux groupes. Le premier rejoindra le 6e RAC et le deuxième sera affecté au 7e régiment des tirailleurs sénégalais.
Votre argent, vos billets, seront échangés dès demain matin au taux de 1000 francs français pour 250 francs CFA. Aucune contestation n'est possible. Hein? Il m'a tenu info. Ma général, pas véritablement ça. 1000 francs francis pour 500 francs africains. C'est ça la vérité, man. Mets-toi au garde-à-vous, toi. Et encore, garde-à-vous. Moi, longtemps, garde-à-vous. Makou, garde-à-vous. Nous partis pas si nous prend pas argent. 1000 francs francis pour 500 francs africains. Vous serez traduit devant le tribunal militaire. Caporal Sef, général Manti, nous gardez général. Capitaine! 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 Regardez les bagages, nous. Tu fouilles quoi? Nous pas voler argent? Toi, c'est un assiste ici! Si vous courez, nous taisez-vous. Nous partons dehors. Chaque pays parle son quelqu'un. Oui. Assis là. Discutez-moi dehors. Sergent-chef Biatta, dites à vos hommes de libérer immédiatement le général. Est-ce que vous savez que selon les lois de l'armée, il risque le tribunal militaire et le peloton d'exécution? Oh non, à vous de leur parler. C'est un ordre! Capitaine, je refuse. Vous êtes encore soldat. Vous devez obéissance à vos supérieurs. J'ai fini mon engagement il y a 2 ans. On m'y a maintenu de force. Vous êtes de leur côté? Oui. Faites intervenir le poste de garde, qu'ils se tiennent prêts à tirer. Mais les tirailleurs n'ont pas de munitions, mon capitaine. Prévenez l'état-major tout de suite. Bien, mon capitaine. Nous gardez général. Lui refusait payer nous, Pékin. Indemnité, ancien combattant. Et si le général refusait de payer nous? Si le général refusait de payer nous, nous gardons lui quand même. Hein? Combien de temps nous gardons lui? Tu connais l'Afrique, blanc commandé tout. Et hey, toi, Mossi, tu perds ou quoi? Nous prenons fusil. Bougourdi con. Tu pas connais tout fusil là? Pas de munitions. Nous prenons tout Mirador avec Sentinelle. Toi, ici, toi, venez avec moi. Ici.
L'état-major est informé, mon commandant. Très bien. Je vais évacuer l'argent et ramener le capitaine Raymond. Très bien, nous vous attendons. Chauffeur de la Jeep, le poste. Sergent-chef, nous évacuons l'argent. Nous rentrons. Oui, mon père. Tirailleurs, chargez les sacs. Sarsan Sef, nous tirailleurs, pas Besson Sef. Tout le monde dit, même chose. Si tu comptes rester avec nous, pas Sef. Maintenant ton parole. Je suis avec vous. Ah, Ungo. On ne peut pas dire que n'est pas mana, quand on est bon, on a tenu qu'on est dans la gare. Quand on est à la houline, on a tout le monde. Viniza ezila tokaka. Nyere gogo. Eh. Koni ne bono ka tenizo e bono ko keke na kaka za koti general. Boka koti do general. Ze tige general. Zele. Yabe. Ulya no repi. Boka koti do general. Ze tige general. Zele. Ze tige general. Zele. Mona biso. Mona biso. To si to kangi mundele wana. Asana kati kuna to kangi ye. To kangi ye so ki a futi biso te. To kotela oyo kia. Eko nginda wa. Yasolo. Yasolo. Et Konginda. Merci. Remate comme yo. Remate comme yo. Vous avez foutu. Je vais leur parler. Ils risquent le peloton d'exécution. Vous savez ce que ça coûte de séquestrer un général. Il n'y avait qu'à les payer. Depuis le début, en France, on leur ment. Ils vous obéissent. Ils vous connaissent. Je vous demande de leur parler. Sergent-chef Diatta, est-ce que je peux vous voir seul à seul? Quels qu'en soient les motifs, même juste, c'est un acte de rébellion. Vous portez encore l'uniforme militaire. Vous devez leur parler. Je ne crois pas qu'ils mesurent l'importance de leur acte. Vous, vous êtes instruit, vous savez. Ils ont fait appel à vous pour nous raisonner. Depuis Morlaix, les officiers nous tiennent le même langage, celui du mensonge. Y a-t-il deux règles dans l'armée? L'une pour les noirs et l'autre pour les blancs? Je n'aime pas quand vous parlez de la sorte. Et comment dois-je parler? Plutôt, je ne dois pas parler. Je dois me taire, c'est ça? Et être complice d'une injustice? Mais vous pouvez saisir le gouverneur. Je lui transmettrai personnellement vos doléances. J'irai voir le ministre des colonies, si c'est nécessaire, à Paris en rentrant. Capitaine, seriez-vous devenu le bon samaritain ou le Saint-Bernard de ces vichistes? Le droit ne se dispute ni ne se négocie. Nous venons d'Europe après avoir combattu vos ennemis. Maintenant, nous combattons pour l'Afrique.
Alors? Alors rien. Rien? Comment rien? Ils doivent libérer le général et immédiatement! Nous ne pouvons pas traiter d'égal à égal avec les nègres. Ces tirailleurs font courir un gros risque à l'ensemble de l'Empire colonial français. Ces hommes ont été endoctrinés par les nazis. Il faut faire quelque chose. Je ne crois pas vraiment, non. Je crois au contraire que ces hommes ont acquis une grande conscience d'eux-mêmes. Descends! Toi, descends! T'as monté, moi, tiré! Toi, menti! Toi, soldat, moi, soldat! Moi, connais fusil pour toi, pas munitions! Toi, pas descendre, moi, monter tout de suite! Caporal! Caporal! Caporal, le garde! Caporal, le garde! Ouais. Caporal, qu'est-ce qu'il y a? Nous, pris général, prisonnier! Toi, soldat, moi, soldat! Moi, fais guerre Europe! Si lui, pas descendre tout de suite, nous monter! Nous tuer lui. Sentinelle, toi descends. Caporal, merci. Sentinelle, monte là-haut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils occupent le terrain. Et qui tient le sommet, tient la base, messieurs. Il faut demander du renfort et vite. Attendons encore. Attendre quoi? Il suffit de les payer. Vous savez qu'on va prendre le camp d'assaut. Vous savez très bien, mon général, qu'à la guerre, vous nous avez appris à ne pas faire de prisonniers. Si le soldat attaquait quand, toi, il est mort immédiatement ici. Toi, pas connaître, nous, tu connaisseras. Nous prions le camp. Sentinelle, nous, là-haut. Il veut dire, mon général, que nous contrôlons le camp. Nous, pas fascistes, nous souffrons beaucoup, beaucoup la guerre. Camp concentration. Nous mancer. Quand t'es foule. Hein? Est-ce que tu comprends mon français? Tu comprends pas. Nous vivons beaucoup, beaucoup catafou suifs. Alors, tu comprends mon français? Moi pas école. Moi tirailleur. Tirailleur pas école. Tirailleur connaisse tirer fusil. Tirailleur connaisse consigne. La guerre. La guerre. Hein? Nous vivons beaucoup cadavres. Ici. Tous hommes. Toi, homme. Moi, homme. Lui, homme. Alors, tu comprends rien? Oh. Cadavre noir. Cadavre blanc. Kif, kif, bourico. Alors, pourquoi toi ne veux pas payer nous? Hein? Mais nous, tout le monde est là. Bien. L'échange des billets se fera à parité égale. 1000 francs français pour 500 francs CFA. Vous avez dit, mon général? Oui. J'appliquerai le taux réglementaire. Il reste encore nos pécules, indemnités et ancienneté qu'il faut régler avant notre départ de Tiaroy. Je ne peux rien faire ici. Il faut que j'aille à Dakar pour régler tout ça. Tu es Abla. Abla. Pays Abla. Akira dit donc, Abla ça. Abla. C'est n'est pas son nom qui est là, comme Abla ça. Pays a dit, ce n'est pas le menti nous. C'est que lui, langue parlée, pas même sens dans son la tête. Menti beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez ma parole d'officier général. Est-ce que vous seriez prêt à le répéter dehors devant les soldats, mon général? Ma parole d'officier général. Mmh.
Silence. Le général veut vous parler. Ma parole d'officier général, vous serez tous payés. Je viendrai au port vous remettre le café pour ma femme. Vivement Lucky. Buffy. Mon capitaine. Bangui. Mon capitaine. Yara. Niger. Ma capitaine. Ma capitale. Maradou. Bon voyage, mon capitaine. Respect, mon capitaine. Oui, j'ai suivi vos instructions à la lettre. Les tirailleurs autochtones viennent d'embarquer dans le camion. Ils sont prêts à partir. Oui, oui, je les vois, je les vois. Les autres dansent au fond de la place d'armes là-bas. J'ai pris toutes les dispositions utiles, oui. Je quitte le camp immédiatement. Bien, mon capitaine.
Mais il dit quoi en français?
Et pays a dit, Allemagne taquet quand Allemagne. Hein? Il perd complètement la tête. Aliment Afrique. Il voit aliment partout. Allemagne taquet quand Allemand. Il est complètement fou, hein. Il n'y a pas moins dormi. Hein? Pays là, il est complètement fou alors. Il y a qu'à tasser lui, hein. Il y a qu'à tasser lui. Nous, la tête. Qu'est-ce qui se passe? Paix lui a dit, alimente ta quelqu'un. Ramenez-le dans la chambre, caporal chef. Allez vous coucher.
général, vos ordres ont été exécutés. Bien. Ministre des colonies, ainsi que le gouverneur général de la OEF, nous ont approuvé. Tenez. Et en ce qui concerne le départ en métropole des tirailleurs nouvelles recrues? C'est votre responsabilité, capitaine Labrousse. Commandant Auguste, restez à ma disposition, je vous prie.